Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce film documentaire événement sur ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie en faisant le choix de la résistance. Nous sommes ici au mémorial du Mont Valérien. C'est un lieu chargé d'histoire, car c'est ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, que dans le plus grand secret, l'armée allemande a exécuté plus de 1000 détenus, parmi lesquels de nombreux résistants. Ce soir, nous allons vous raconter l'incroyable bravoure dont ils ont fait preuve, mais aussi leurs doutes, leurs sacrifices et les rivalités qui les ont opposés. Cinq Français d'horizons et de conditions très différentes. Il y a Jean Moulin, qui est entré dans la légende. Henri Freinet, militaire, un temps pétainiste. Notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme. Il va fonder l'un des mouvements les plus importants de la résistance. Il y a dans nos propos une forte part de bluff. Mais comment aurais-je recruté le premier adhérent s'il avait su qu'il était le premier? Il faut que nous puissions réaliser un véritable journal. Bertie Albrecht, qui va tout mettre en œuvre pour aider les prisonniers. Elle est arrêtée trois fois, la dernière par Klaus Barbie. Gilbert Renaud, issu de l'extrême droite. Il se rêvait producteur de cinéma. Il devient l'un des plus grands agents de la France libre. On a un message urgent envoyé. Georges Beaufils, cadre communiste, partisan d'actions terroristes, quel qu'en soit le prix. Tant que t'as pas donné ta vie, pour le parti, tu n'as rien donné. Quelques condamnations à mort donneront l'exemple aux autres. Grâce aux travaux d'historiens, à des images d'archives rares, nous avons fidèlement reconstitué le parcours de ces résistants, leurs faits d'armes. Comment ont-ils réussi à s'imposer aux côtés des alliés qui s'en méfient, mais aussi auprès de Gaulle, qui, dans un premier temps, doute de cette résistance intérieure. C'est cette histoire secrète que nous allons vous raconter, le parcours de Français ordinaires qui ont fait le choix de l'extraordinaire. Ah, salut. Ça va? Ça va. Ça va et toi? Vous êtes prêts? Vous avez tout? C'est bon. André Veil-Curiel et Léon Maurice Nordman sont deux jeunes avocats parisiens. La pancarte. Allez, tiens. Il est 5h du matin ce 11 novembre 1940. En dépit des risques, ils osent braver le couvre-feu pour ce qui va devenir l'un des premiers gestes de la résistance. Depuis 6 mois, la France est occupée. Après une débâcle humiliante et le traumatisme de l'exode, les Français doivent supporter la présence des Allemands. 3 semaines plus tôt, Pétain a serré la main d'Hitler. Une seule voix refuse la défaite. Depuis Londres, un général encore inconnu appelle à résister. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat. Merde. Mais comment répondre à l'appel du général de Gaulle quand on n'a ni armes ni soutien militaire? Depuis plusieurs jours, des étudiants et lycéens appellent à célébrer le 11 novembre en manifestant devant la statue de Clémenceau, le vainqueur de la Première Guerre mondiale. Pourtant, toute commémoration a été officiellement interdite par Vichy. Ça va.
Allez, les gars. Allez. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Quelques heures plus tard, André Veil-Curiel et Léon Maurice Norman reviennent en bas des Champs-Élysées. Ils ne sont plus seuls. 3000 jeunes Parisiens ont répondu à l'appel. De quoi galvaniser la foule. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Les esprits s'échauffent et vers 17h, les premiers affrontements éclatent. Manifestants sont arrêtés. 15 sont blessés, 5 gravement. Résister. Ils sont encore peu nombreux à s'y risquer. Certains Français semblent s'accommoder de l'occupation, d'autant que le père de la nation, le maréchal Pétain lui-même, les appelle à courber les chines. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Pour une minorité de Français, ce discours est inacceptable. Allez, 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 planquez-vous là. Gilbert Renaud a 37 ans et une carrière de producteur de cinéma quand il embarque en juin 1940, direction la Grande-Bretagne. Le réflexe qui me fait partir pour l'Angleterre me vient de mon éducation. Cela fait 20 ans que je me nourris des écrits de Charles Maurras et de son parti, Action Française. Comme lui, il m'est impossible de reconnaître la défaite de la France. Je vais donc tout naturellement là où il me semble que l'on continue à se battre. Des idées d'extrême droite, ultranationalistes, qui poussent Gilbert Renaud à laisser derrière lui sa femme enceinte et ses 4 enfants. Depuis toujours, Edith a coutume, avant chacun de mes voyages, de glisser un petit mot dans l'une de mes poches. J'ai confiance. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Avant que nous puissions revenir dans notre France, combien d'années vont passer ? 3 ? 4 ? 5 ? Plus encore ? Je ne sais pas. Pendant tout ce temps, comment vas-tu nourrir ? Habiller et élever nos 4 petits. Et quand connaîtrai-je celui que tu portes en toi ? Arrivé en Grande-Bretagne, au port de Falmouth, Gilbert Renaud est accueilli par le service des réfugiés, à qui il annonce vouloir se battre. Des officiers anglais le mettent dans un train pour Londres.
Que va-t-il trouver là-bas? De Gaulle est parti de France avec 100 000 francs, puisés dans les fonds secrets du gouvernement. Pas de quoi faire la guerre à l'Allemagne toute puissante. Churchill lui a permis d'établir son quartier général près de Westminster. Le premier ministre britannique a reconnu De Gaulle comme le chef des Français libres, malgré ses maigres troupes. Hé, hey Jacques, toujours en train de faire du bouquin. Quel chapitre ? 5. Seulement 123 officiers et 2700 soldats, peu d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés ont rejoint ses rangs. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais rencontrer le général De Gaulle, s'il vous plaît. Le général De Gaulle est en conférence actuellement. Ordre de ne pas le déranger. Et où peut-on s'engager ? En bas, au rez-de-chaussée. Merci. Devant moi, un officier a l'air extrêmement jeune, précocement chauve, imberbe, en culotte de cheval. Qu'est-ce que vous voulez ? Il est assis, il lit un document, en mordillant nerveusement son mouchoir. Et tout à coup, il lève son visage vers moi. Et vous êtes ? Je m'appelle Gilbert Renaud, et je souhaite me battre aux côtés du général. Je vous en prie, installez-vous. Merci. André de Wavrin a 29 ans. Ce polytechnicien est l'un des rares officiers à avoir rallié De Gaulle. Sous le pseudonyme de Passy, il est à la tête d'un service secret encore balbutiant. Sous ses ordres, 20 personnes. Passy doit faire remonter aux Britanniques des informations sur les mouvements militaires allemands en France, avec obligation de résultat. Churchill, qui finance son bureau, attend de De Gaulle qu'il prouve sa légitimité. Vous avez déjà fait du renseignement ? Non, malheureusement. J'ai travaillé dans l'assurance et puis dans la banque, d'abord. Et je me suis lancé ensuite dans la production cinématographique. Un profil qui ne cadre pas vraiment avec les attentes de Passy. Comme De Gaulle, il a encore une vision purement militaire de la résistance. Merci. Et vous avez vos papiers ? Oui, bien sûr. C'est un visa espagnol. Oui. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises en préparant un film sur Christophe Colomb. Et là, son visage s'éclaire. Il est intéressé par mes possibilités de passage par l'Espagne. Il me demande donc de requérir auprès de l'ambassade d'Espagne un visa. On pourrait envisager un circuit de courrier entre la Espagne, la France et la Grande-Bretagne, par exemple. Je lui précise qu'on doit faire attention. Nous devons garder vis-à-vis des Anglais le maximum d'indépendance. Pour plus de précautions, il faut coder tous nos échanges. Mes messages contiendront toujours le mot SIPA, l'anagramme de Passy, mon nom de résistant. Ainsi, il saura que l'ordre vient bien de moi et pas des Anglais, ni des Allemands. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. À très bientôt, monsieur Renaud. Après quelques semaines de formation, ce Breton sans aucune expérience rentre en France, en pleine zone occupée. Depuis l'armistice du 22 juin 1940, le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation, frontière intérieure quasi hermétique. Le sud est administré par le gouvernement français installé à Vichy. Le nord est directement sous le contrôle des Allemands. Gilbert Renaud est le premier agent de la France libre. Sa mission est capitale. Il doit recueillir des renseignements sur les mouvements des navires ennemis qui menacent la Grande-Bretagne. Mais comment trouver des informateurs fiables ? Un de ses amis lui a confié le nom d'un officier de la marine de l'arsenal de Brest. Pour gagner sa confiance, il lui a rédigé une lettre de recommandation. Monsieur Philippon, bonjour, je suis Gilbert Renaud. Je crois que vous avez été prévenu de ma visite.
Jean Philippon est le responsable de l'approvisionnement des légumes pour les militaires de Brest. Gilbert Renaud l'espère frustré par ce poste au rabais. Asseyez-vous. Merci. J'ai une lettre pour vous. Jean Philippon a beau se présenter comme un homme modeste, spécialisé dans la culture du radis, je sais qu'il a des relations. Il faut qu'il accepte de travailler avec moi. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Je peux encore rien vous promettre. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions la semaine prochaine. Alors, à la semaine prochaine. Je vous raccompagne. Gilbert Renaud est confiant, peut-être trop. Comment s'assurer que l'officier accepte de trahir sa hiérarchie et le maréchal ? D'autant que de nombreux militaires pensent alors que Pétain joue double jeu, qu'il prépare secrètement une revanche. Nous réfutons, nous nous opposons, nous condamnons. Nous condamnons la politique souvent injuste qui attaque notre gouvernement et surtout le maréchal. Parmi les premiers résistants, beaucoup croient en Philippe Pétain. Henri Freinet a 36 ans. Il est catholique, de droite et militaire. Mon père étant officier et moi-même sortant de Saint-Cyr, c'est dans le milieu militaire que j'ai baigné depuis ma plus tendre enfance. En un mot, j'appartiens sans le savoir à cette droite française, traditionnaliste, pauvre, patriote et paternaliste. Considéré dans son ensemble, nous estimons que le mouvement de De Gaulle est une erreur. Notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme. Un manque de force. Comment ? Un manque de force. Bertie Albrecht est issu d'une grande famille alsacienne. Militante des droits de l'homme depuis les années 30, engagée à gauche, elle a déjà vu la folie nazie à l'œuvre. En juin 1940, je travaillais aux usines Fulmen à Vierzon et je profitais de cette situation pour faire passer la ligne de démarcation à des prisonniers évadés. Et aujourd'hui, je travaille au commissariat du chômage féminin, c'est un organisme qui dépend du Secours national de Vichy. Et grâce à cet emploi, je peux glaner un maximum d'informations sur les activités des Allemands. Et comme je parle couramment leur langue... Ça manque de force. Ajoutons. Donc, notre mouvement n'a aucun lien avec le gaullisme. Et ajoutons... Et nous ne recevons de Londres aucun ordre, ni aucun subside. Et n'en recevrons jamais. Très bien. Allez, je prends la suite. Nous sommes convaincus qu'on défend mieux son pays en y restant qu'en le fuyant. Depuis 1935, Bertie Albrecht est tout à la fois pour Henri Freinet. Son ami d'abord, son amante de 12 ans son aîné, son bras droit. C'est elle qui, avant-guerre, m'a fait rencontrer des réfugiés allemands. Et j'ai alors pu comprendre ce qui se passait là-bas. Sans elle, mon existence n'aurait pas été la même. Je lui dois beaucoup, et en particulier dans le domaine politique. C'est ça. Déçu par l'armée française, l'officier vient de démissionner, avec un nouvel objectif, informer les Français sur les réalités de l'occupation. Grâce à ses contacts au cœur du dispositif de renseignement de Vichy, Freinet collecte des informations qu'il veut diffuser par l'intermédiaire d'un bulletin clandestin baptisé « Les Petites Ailes ». Ça ne marche jamais, cette machine. S'ils veulent diffuser largement leur bulletin, jusque-là tiré à quelques dizaines d'exemplaires, ils doivent trouver une manière plus efficace pour l'imprimer. Bertie Albrecht finit par trouver un imprimeur près de Lyon. Monsieur Martinet ? Bonjour. Bertie Albrecht. Bonjour. Merci.
Voilà. On doit informer l'opinion sur les données réelles de la situation. Lui ouvrir les yeux sur les enjeux vitaux. Et pour ça, il faut que nous puissions réaliser un véritable journal. La lutte contre l'attentisme passe d'abord par le réveil des consciences. Ah oui, mais il va falloir revoir la présentation de votre feuille de chou, hein. Pour commencer, on va faire un premier grand rectangle pour le titre. Et sur la deuxième page, sur deux colonnes. Première manifestation de la résistance en page 1. Information sur le comportement des troupes allemandes et pillage de la France par l'occupant en page 2. Les petites ailes de France seront tirées à plus de 4000 exemplaires. Merci. Dès juillet 1941, leur journal est diffusé dans tout le sud de la France. Amis de la première heure. De quoi les faire connaître et faire venir à eux d'autres Français qui partagent leurs idées. Nous vaincrons lorsque nous aurons chassé l'Allemand. Ils seront balayés par la force de notre conviction. Et s'il le faut, par nos armes. Oui. Il est prompt, rapide, voire impulsif. Parce que vous avez confiance. Vous êtes pénétré de la grandeur de votre tâche. Son charisme décuple sa force d'entraînement, galvanise les énergies et embarque les gens les plus timorés, les plus récalcitrants. Nous vaincrons si vous faites le serment d'y consacrer votre temps, vos forces, vos vies. Si vous vous donnez à la France, donnez-vous à la France. René et Albrecht parviennent à collecter des fonds. Des Français de tous horizons font des dons au mouvement, baptisé avec beaucoup d'ambition le MLN, Mouvement de Libération Nationale. Le peu qui a été fait, nous le grossissons. Et nos projets sont parfois assimilés à des réalisations. Il y a dans nos propos une forte part de bluff. Mais comment aurais-je recruté le premier adhérent s'il avait su qu'il était le premier ? Sans aucun lien avec Londres, le MLN est l'un des premiers mouvements de résistance à se structurer en zone libre, entre Marseille, Lyon et Vichy. Freinet et Albrecht cherchent maintenant à distribuer leur journal en zone occupée. Ils parviennent à recruter un employé des messageries Hachette, qui possède un Ausweis, un laissez-passer des autorités allemandes. Henri de Villers a 27 ans. Il accepte de cacher le journal clandestin dans les livres qu'il transporte chaque semaine. Attention toi. Attendez. De Villers apparaît comme une recrue idéale. Freinet ignore qu'il a été arrêté par les Allemands, puis libéré 3 mois plus tôt. Il est au cœur d'une stratégie que l'occupant va employer avec succès contre les résistants, l'infiltration. Loin de Lyon, dans la banlieue nantaise, en zone occupée, l'agent gaulliste Gilbert Renault a trouvé une planque. Ses débuts dans le renseignement sont laborieux, et Passy, le chef du service d'espionnage, s'en agace. 6 pas. Prière de vérifier la source de vos informations, car un certain nombre de renseignements que vous nous communiquez sont manifestement faux ou exagérés. J'arrive.
Mais Gilbert Renaud tient enfin un informateur sérieux. Bonjour Jean. Jean Philippon, l'officier de la marine de Brest, a accepté de lui fournir des informations. Quelles sont les nouvelles ? Les Allemands sont en train d'installer trois ducs d'Albe. Merci. Allons Véoc. Un Offray et un Lilong. Et c'est quoi un duc d'Albe ? Un duc d'Albe, c'est un poste d'amarrage pour les très gros navires, généralement pour des 35 000 tonnes. Et d'après la taille de leur dispositif, il s'agit quand même d'une unité très importante. Il y a deux possibilités. Soit le Bismarck, soit le Tirpitz. Ce qui signifie que l'un de ces deux gros navires allemands doit sans doute bientôt arriver. Ces deux cuirassés sont les plus grands navires jamais construits par le Reich. Ils menacent d'offrir aux Allemands la victoire dans la bataille de l'Atlantique. Ils pourraient accoster dans un port français. Gilbert Renaud doit transmettre cette information capitale à Londres. Il a dissimulé un poste émetteur, le premier introduit en France, dans une planque à Saumur. 156 km à parcourir à vélo. Grâce à Philippon, il a trouvé un jeune homme capable d'assurer les transmissions. Vous êtes déjà là ? Je vous attendais pas avant demain. On a un message urgent envoyé. Bernard Anquetil est un ancien sous-marinier de son équipage sur le Ouessant. Il a 24 ans. Il est déterminé et calme. Ce qu'il faut pour manier ses appareils complexes et capricieux. À chaque contact avec Londres, Anquetil s'expose aux recherches des Allemands qui patrouillent à bord de camions capables de capter les ondes radio. Il a moins de 10 minutes pour envoyer son message sans se faire localiser. Je vous écoute. Bismarck. Attendu. À Brest. Dans environ 3 semaines. Stop. Préparatif pour son amarrage. Poussé au maximum. Stop. Duc d'Albe. Prévu pour l'amarrage. Ainsi que des filets de protection anti-torpille. Stop. C'est bon, c'est passé. Sept jours plus tard. Le 17 mai 1941, le Bismarck, le plus important cuirassé allemand, est coulé par la Grande-Bretagne. Deux mois plus tard, toujours sur des informations de Philippon, Gilbert Renaud fait transmettre un nouveau message. Le Scharnhorst va appareiller. Le 25 juillet, la Royal Air Force bombarde et endommage le croiseur de la Kriegsmarine. Les renseignements de Gilbert Renaud permettent à la Grande-Bretagne de conserver la maîtrise de la Manche. Il est convaincu de son agilité. Inlassablement, Bernard Anquetil continue à émettre. Mais à Londres, Passy s'inquiète. Son agent multiplie les contacts sans en mesurer les risques. Selon les Britanniques, l'espérance de vie d'un opérateur radio ne dépasse pas 6 mois. Un message à faire passer en France. Étant donné les activités de plus en plus intenses des services de repérage radio-goniométrique allemand, il importe que vous appliquiez une discipline très sévère pour vos tracks radio
et que seules les informations très importantes soient passées par ce moyen. SIPA. Mais Gilbert Renaud n'en tient toujours pas compte. Bernard Anquetil est arrêté le 31 juillet. Il ne livre aucune information. Il sera fusillé au Mont-Valérien. Gilbert Renaud a échappé à l'interpellation, mais il est identifié. Désormais, tous ceux qui l'approcheront risquent une mort violente. Tu n'as pas parlé. Et grâce à toi, notre réseau peut continuer de vivre. La moindre divulgation du secret que nous partageons est de nature à nous entraîner mutuellement dans les prisons, dans les tortures, dans les bagnes et dans la mort. Et pas seulement nous qui luttons, mais aussi tous ceux que nous aimons, nos femmes, nos enfants, nos parents. Bernard Anquetil, l'opérateur radio, a été fusillé ici, dans cette clairière du Mont-Valérien, le 24 octobre 1941. En cette fin d'année, la résistance est encore peu structurée. Quelques Français qui commencent à s'organiser, à l'image du mouvement de Albrecht effréné. Mais un homme entrevoit déjà leur potentiel. Cet homme, c'est Jean Moulin. L'ancien préfet de Chartres bénéficie déjà d'une certaine aura. Il est allé jusqu'à ce geste fou, se trancher la gorge pour s'opposer à des exigences allemandes. Il dissimule depuis sa cicatrice sous un foulard. Jean Moulin a compris avant tout le monde que ses résistants de l'intérieur et de Gaulle doivent s'unir pour s'imposer face aux alliés. Reste encore à les convaincre. À 41 ans, Jean Moulin, qui a été le plus jeune préfet de France, a été renvoyé de la fonction publique pour ses idées trop progressistes. Ce passionné d'art contemporain veut dorénavant jouer un rôle dans la lutte contre l'occupant. Trois mouvements émergent en France libre. Le mouvement de libération nationale de Freinet et Albrecht, les francs-tireurs et Libération Sud. Des formations isolées, sans moyens, que Moulin veut réunir. Grâce à un vieil ami marseillais, une rencontre est organisée avec Henri Freinet. Bonjour Jean. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va mieux, merci. J'attends. Enchanté, monsieur. Enchanté. Vous avez déjeuné ? Non, pas encore. Asseyez-vous. Tout oppose le préfet de gauche aux résistants pétainistes, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Alors ? Dites-moi. Je cherche à mener une sorte d'enquête au sujet des réseaux de résistance en France. Savoir combien ils sont, en apprendre davantage sur leurs actions, pour rédiger un rapport à l'intention de Londres. Londres ou de Gaulle ? L'homme est très grand. Qu'est-ce qu'il pense au fond de lui-même de la République ? Je ne peux pas vous le dire. Je connais ses positions officielles, mais est-ce réellement un démocrate ? Je ne sais pas. La propagande présente le général comme un apprenti dictateur, entouré d'une bande d'aventuriers fascistes et cagoulards aux mains des Juifs. Mais pour Moulin, de Gaulle pourrait incarner une alternative sérieuse à Vichy, peut-être la seule. Freinet, lui, n'envisage pas un instant de rallier le général. Ce sont les Britanniques qui tiennent les cordons de la bourse et son mouvement a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Pour acheter l'encre, le papier,
les machines, organiser la distribution des journaux et des tracts. C'est ce message qu'il faut faire passer à Londres. Très bien. Jean Moulin veut se faire l'ambassadeur de cette résistance qu'il connaît à peine. Quand une offensive inattendue fait basculer le cours de l'histoire. À la surprise générale, 3 millions de soldats allemands attaquent l'Union soviétique. Une rupture fracassante du pacte de non-agression signé en 1939 entre Hitler et Staline. Jusque-là, les communistes s'interdisaient d'intervenir dans cette guerre entre puissances capitalistes. Désormais, les Allemands sont des ennemis à combattre. Pour Georges Beaufils, comme pour l'ensemble du Parti communiste, c'est le moment de soutenir l'URSS et de se refaire, autant que possible, une virginité antifasciste. Le PCF est le premier parti politique à entrer en résistance. Je suis né dans une famille pauvre près de Royan. Mon père était agent des chemins de fer, il est devenu communiste tout naturellement. J'ai adhéré au parti, comme mon père. Pour moi, j'étais acquis depuis longtemps aux idées révolutionnaires, alors c'était presque une formalité. C'est la tienne, celle-là. Hop, et ton cahier. L'engagement militant est une affaire de famille chez les beaux-fils. Un engagement qui se doit d'être total. Ton ardoise est en cahier, oui. Mon père, hop, il faisait partie de cette génération qui disait « Tant que t'as pas tout donné pour le parti, tu n'as rien donné. » Il y en a même qui disaient « Tant que t'as pas donné ta vie. » On y va ? Oui. Soyez sage. Mais pas trop. Sous couvert d'une vie de famille rangée, Georges Beaufils défend une stratégie radicale. Alors que les premiers résistants se limitent à une guerre de l'information, lui choisit la lutte armée. Dans son atelier d'électricité automobile, il se lance dans la fabrication d'explosifs. La première fabrication portera sur tout ce qui peut brûler, depuis les dépôts d'essence jusqu'au stock de blé. Pour mettre en échec la politique qui vise à faire de la France le grenier de l'Allemagne, il faut mettre le feu aux meules. Le blé, les céréales, tout ce qui part chez les Boches. Mais c'est pas tout. Des engins à retardement seront aussi placés dans les dépôts des usines, sous les véhicules allemands et les trains. Très rapidement, les actions violentes se multiplient. 54 en juillet 1941, 73 en août, 134 en septembre. Mais les communistes décident aussi de frapper plus directement l'ennemi. Le 13 août, un soldat allemand est assassiné porte d'Orléans. Le 21 août, Pierre Georges, futur colonel Fabien, tue un officier de la Kriegsmarine à la station de métro Barbès-Rochechouart, à Paris. Bonjour, monsieur le ministre. Pierre Pucheux, tout juste nommé ministre de l'Intérieur, veut prouver aux Allemands que la France est à même de réprimer cette vague d'attentats. Il crée de nouvelles cours de justice, des sections spéciales qui devront rendre un verdict en moins de 2 jours, sans instruction préalable. Bonjour messieurs, c'est vous. Bien. L'article 10... Contre toutes les règles de droit, il rend cette loi rétroactive pour l'appliquer aux premiers assassinats d'Allemands à Paris. Si les services n'avaient montré aussi peu d'empressement à en rédiger la conclusion, elle aurait dû être promulguée déjà depuis des semaines. Pour l'heure, je propose au Conseil que comparaissent immédiatement tous les chefs communistes actuellement arrêtés. Quelques condamnations à mort donneront l'exemple aux autres. Bien, messieurs. Au travail.
Il n'hésite pas à condamner des hommes qui ne sont pas les auteurs des crimes. Le 28 août, Émile Bastard, Abraham Trébruki et André Bréchet sont exécutés. Honoré d'Étienne Dorve, Yann Dornic et Maurice Barlier ne sont pas communistes, mais ils ont déjà été condamnés pour d'autres faits de résistance. Ils sont exécutés le lendemain. Ces représailles ne changent rien à la stratégie communiste. Les attentats anti-allemands continuent. La pression devenant trop forte à Paris, les assassinats sont délocalisés en province. Henri, dépêche ! Le 20 octobre 1941, le chef des jeunesses communistes de l'Est parisien, Gilbert Brusselin, avec Spartaco Guisco et Marcel Bourdarias, assassine le chef de la Feldkommandantur de Nantes. Karl Hotz était le plus haut responsable régional de l'administration allemande. Le retentissement est immédiat. Dans les heures qui suivent, Hitler exige de Vichy l'exécution de 100 otages. Pucheux, soucieux de son image auprès des Français, négocie que l'on ne fusille que 50 otages. 50 otages qu'il va s'attacher à sélectionner lui-même. Je ne les ai pas désignés. J'ai fait ce qu'aurait fait à ma place n'importe quel autre ministre de l'Intérieur ayant le sens des responsabilités. Je ne peux pas, je ne dois pas laisser fusiller 40 bons Français. Et les communistes ne sont pas des Français. 48 Français sont exécutés à Châteaubriant, Nantes et Paris. Parmi eux, le jeune Guy Moquet, 17 ans. Oui, la répression est féroce. Mais le problème, c'est de savoir s'il faut céder à la terreur. Et l'objectif de l'ennemi, c'est précisément de nous faire reculer devant les risques que l'action armée comporte. Mais si nous cédons, c'est l'Allemand qui aura raison. Si nous ne cédons pas, le Boche devra compter avec nous. Ces exécutions ne suffisent pas à calmer la fureur allemande. Pucheux met en place le service de la police anticommuniste. L'unité est chargée de les traquer, multipliant les filatures, perquisitions et arrestations. Le gouvernement, lui, tente de mobiliser la population contre ces terroristes. La ville de Nantes offre une prime de 500 000 francs à tout informateur sérieux. Le maréchal Pétain soutient cette entreprise en appelant lui-même à la délation. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Les courriers sont anonymes pour la plupart. Leur volume est tel qu'il faut créer des bureaux pour les traiter. L'une de ces lettres est signée Madame Huot, tenancière de la boîte à sardines, un restaurant nantais. J'avais dans mon restaurant deux jeunes gens qui ont cessé de venir au soir du 20 octobre. Le 22, ne les ayant pas revus, je les ai signalés à la police française. La photographie de Brusselin m'ayant été présentée, je l'ai formellement reconnue. Gilbert Brusselin est identifié. La presse publie sa photo en première page. Il parvient à s'échapper en Espagne. Ses deux complices ont moins de chance. Ils sont arrêtés puis jugés en avril 1941. À leur côté,
21 jeunes combattants livrés par la police de Vichy. Leur procès est organisé à la Maison de la Chimie à Paris. Pour la première fois, les juges sont allemands. Les nazis veulent donner une leçon de répression à l'État français. Tous les accusés ont été torturés. Tous seront exécutés au Mont Valérien le 17 avril 1942. Ces résistants communistes prêts à se sacrifier fascinent Gilbert Renaud, l'agent de la France libre. Sans en référer à Londres, il prend l'initiative de les contacter. Un rendez-vous secret est organisé au bois de Boulogne. C'est Georges Beaufils qui se présente. Le fabricant d'explosifs est devenu l'un des leaders des FTP, la branche armée proche du Parti communiste. Gilbert Renaud veut comprendre pourquoi les communistes s'obstinent dans l'action violente, alors que la répression est de plus en plus féroce. Parce qu'elle annonce que 5 ou 10 des nôtres ont été fusillés, on enregistre 50 ou 100 adhésions nouvelles dans les FTP. La répression allemande, les fusillades d'otages, elles font se lever de nouvelles forces pour le combat. Alors oui, on pleure, bien sûr. Pleure parce que des frères sont tombés. Mais après, la volonté de se battre est plus grande encore. Ça secoue l'apathie des hésitants. Le sang versé par nos gars appelle la vengeance. Au final, le peuple ne pardonne pas l'exécution d'innocents. Il n'a pas tort. Il me suffit de suivre les fusillades à la trace pour recruter de nouveaux gars. Je lui suggère même d'étendre leurs attentats aux industriels et aux journalistes qui collaborent avec l'Allemagne. De quoi avez-vous besoin précisément ? Il nous faut des armes. On est obligé de fabriquer nous-mêmes nos explosifs et nos grenades, mais vous imaginez bien qu'improviser un revolver, c'est plus compliqué. La plupart de nos groupes de partisans doivent se partager un fusil pour 5 ou 6 hommes. Alors pour nous en procurer, on est obligé de monter des opérations. Et c'est toujours très risqué. Je lui promets d'intervenir auprès de Londres pour que des moyens, des armes et des explosifs leur soient livrés. Il faut qu'ils puissent continuer leurs actions. Soyez prudents sur le retour. Nous ne sommes plus seuls. Nous savions bien qu'il y avait d'autres Français que les communistes pour haïr l'occupant de Vichy, mais ils n'apparaissaient pas vraiment jusque-là. Même De Gaulle. Peu d'organisations sur le sol français se réclament publiquement de lui, d'ailleurs. Mais nous entrons maintenant dans une phase nouvelle. Les espoirs de Georges Beaufils vont être rapidement douchés par un rappel à l'ordre du général de Gaulle. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison, c'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes momentanément désarmés. Au contraire, dès que nous serons en mesure de passer tous ensemble à l'attaque par l'extérieur et par l'intérieur, De Gaulle ne veut pas seulement protéger les Français de ces représailles. Les attentats donnent aux communistes une forte visibilité. Insupportable pour le général. À Carlton Garden, De Gaulle se sent plus isolé que jamais en ce mois d'octobre 1941.
Comment imposer son autorité et sa légitimité sur la résistance intérieure française alors qu'il se trouve à Londres? Jean Moulin va lui apporter une solution. À son arrivée à Londres, il présente un rapport sur les mouvements de résistance. Alors qu'il a principalement rencontré Freinet, il s'autorise à parler au nom de tous les mouvements. Un bluff qui va fonctionner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Disons, 5 semaines un peu mouvementées. Le commandant Servet est en charge d'organiser l'action politique en France. Avant toute chose, je voulais vous dire, attention à la concurrence communiste, qui devient réellement menaçante. Attendez-moi là. Jean Moulin assure pouvoir résoudre le problème en réunissant les grands mouvements de résistance dans un front uni face aux communistes. Il est convaincu que l'argument séduira De Gaulle. Après 10 semaines à Londres et un entraînement accéléré au saut en parachute, Moulin s'envole pour la Provence avec le titre d'émissaire de la France libre et un défi de taille. Convaincre les mouvements de résistance de rallier De Gaulle. Aucune équipe ne l'attendra à l'arrivée. Il sera livré à lui-même. Seul réconfort, l'entrée en guerre de l'Amérique après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. La défaite de l'Allemagne nazie, jusqu'alors tenue pour inconcevable, devient possible. Et l'espoir renaît, le temps d'un instant. À l'approche des côtes françaises, leur bimoteur est la cible d'une attaque de la DCA allemande. L'avion atteint finalement les environs de Salon de Provence. Le 2 janvier 1942, à 3h30, Jean Moulin saute dans la clandestinité. Atterrissage, le poste radio s'est brisé. Moulin ne pourra rendre aucun compte à De Gaulle de ses premières démarches avec les mouvements de la résistance intérieure. Heureusement, il a pu conserver son principal bagage, un sac rempli de liasses de billets. Arrivé à Marseille, il va rencontrer les principaux chefs des mouvements. Jean-Pierre Lévy de Franc-Tireur et Emmanuel d'Astier de Libération, mais en priorité, il doit retrouver Freinet. Les contrôles d'identité sont devenus systématiques. Bonjour, bonjour. Où est-ce que vous allez? À Avignon. Vous allez faire quoi là-bas? Voir ma mère. Mettez-vous sur le côté. Jean Moulin n'est pas encore recherché par les services de police, mais il circule tout de même sous la fausse identité de Jean Mercier, galeriste à Nice. Une couverture qui lui permet de justifier ses nombreux déplacements.
Jean. Bonjour, Harry. Entrez. Merci. Enchanté. Enchanté, monsieur. Je Vance, avec qui je travaille en étroite collaboration. Très bien. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Installez-vous, je vous en prie. Tout s'est bien passé pour vous ? Disons que ça a été mouvementé. Et vous, quoi de nouveau ? Écoutez, l'unité a fait des progrès depuis votre départ. Après mes deux voyages en zone occupée, le mouvement de libération française a fusionné avec d'autres organisations. Et s'appelle désormais Combat. Très bien. Nous comptons plus de 100 clandestins. Tenez. Merci. On tire à 10 000 exemplaires maintenant. Son organisation s'est aussi structurée. Pour se préparer à une future libération, Monsieur. Freinet a créé des groupes d'action, les équipes de choc, chargées de trouver des armes et de fabriquer artisanalement des explosifs. J'ai ceci pour vous. Moulin doit convaincre Freinet de rallier De Gaulle. Il a un argument massu. Combien ? 250 000 francs. Je sais qu'ils en ont grandement besoin. Je dois aussi leur annoncer autre chose. Il y a aussi ça. À Londres, le commandant Passy est très préoccupé par le fait que les différentes actions de la résistance, militaire, politique, de renseignement et de propagande, soient pour ainsi dire confondues et conduites par les mêmes hommes. Il veut que chacun ait une tâche bien précise. Que les hommes en charge des opérations militaires ne se chargent que du militaire. Pareil pour ceux du renseignement. Parce que dans son esprit, la sécurité en souffre. Et cette opinion est largement partagée par les services secrets britanniques. Et comme ce sont eux qui détiennent tous les moyens... Sur plusieurs pages de microphotos, ce ne sont pas des suggestions que nous lisons, mais des ordres. D'une extrême précision. Jusque dans le plus petit détail. Comment lui faire comprendre que ce n'est pas si simple que ça? Sur le principe, c'est parfait. Dans la pratique, c'est autre chose. Nous avons des équipes sur le terrain qui sont chargées de récupérer des armes. On les appelle les équipes de choc. Allez donc leur interdire de faire autre chose, de distribuer ou de recevoir notre journal, de transmettre un renseignement qu'ils auraient recueilli. Ils doivent comprendre à Londres que ces schémas d'organisation ne riment à rien. On aurait pu nous consulter. On n'est pas aux ordres. Mais son organisation compte plus de 10 imprimeries clandestines. Il lui faut 200 000 francs pour tenir le prochain mois. Pour décider de la position à adopter à l'égard du général de Gaulle, Freinet convoque une réunion près de Nîmes avec les principaux responsables de Combat. Mais Bertie Albrecht veut lui parler de toute autre chose. Pardon, je... on est un peu en retard, je suis désolé. Tu m'écoutes. Un de nos agents a entendu dans un restaurant quasi vide deux Allemands parler de Combat. Il s'est débrouillé pour écouter leur conversation. Il leur a offert un verre, puis deux. Il a compris que c'était des agents d'affaires. Ils ont fini par lui dire qu'ils avaient décidé de ne pas t'arrêter pour pouvoir continuer de te filer et en savoir plus sur tes différents contacts. Et ils ont dit que de toute façon, ils savaient toutes nos actions. Parce que l'homme qui travaille pour le courrier entre Paris et Lyon, en réalité, travaille pour eux. De Villers. Oui. Henri de Villers est parvenu à tromper Freinet durant 10 mois. Chaque semaine, le livreur des messageries achète à remis aux Allemands toutes les publications, les informations, les noms et adresses des membres du mouvement. Freinet n'aura pas le temps d'alerter tous les membres de son organisation. Il est trop tard. Quarante résistants sont arrêtés et emprisonnés. En zone occupée, toute l'organisation est démantelée.
Bertie Albrecht veut leur venir en aide. Elle crée un service social, une couverture qui lui permet de leur rendre visite en prison. Elle en profite aussi pour repérer les geôliers corruptibles et envisager des évasions. Nous sommes le seul mouvement à avoir créé un tel service que j'ai baptisé le service social. L'idée est de venir en aide à tous les prisonniers, tous les résistants, et pas seulement ceux de combat. On ne peut pas laisser à son sort un camarade qui tombe, ni sa famille. Une famille tombée dans la misère par l'arrestation de son chef peut devenir une ennemie de la résistance. Une famille secourue peut rester amie, voire devenir une alliée. Pour ces résistants emprisonnés, Bertie Albrecht achète de la nourriture au marché noir, contacte leur famille et transmet des messages. Grâce à elle, ces prisonniers ne perdent pas totalement espoir. Mais elle ne va pas pouvoir leur venir en aide longtemps. Ses visites incessantes sont repérées par la police de Vichy qui minimisait jusque-là son rôle. L'ennemi lui propose un marché. Sa libération contre la venue de Freinet au ministère de l'Intérieur, à Vichy. Il me libère avec un sauf-conduit pour que j'aille transmettre le message à Freinet. Je vais donc le retrouver dans un hôtel à Annecy où je sais qu'il doit se rendre et... Il est surpris d'abord en me voyant qu'on m'ait libéré si tôt, c'est-à-dire 3 jours seulement après mon arrestation. Je lui explique pourquoi, je lui transmets le message. Il hésite. Il ne sait pas s'il doit s'y rendre, d'autant qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Moi, je le rassure, je pense qu'il peut y aller sans crainte. Je sais pas comment j'ai pu. Freinet entrevoit la possibilité de négocier la libération de ses compagnons emprisonnés. Mais quelles seront les contreparties exigées par les autorités de Vichy ? Henri Freinet pour Monsieur le Ministre. Veuillez me suivre. Pour conserver le soutien de la population, le gouvernement français doit convaincre qu'il lutte contre les Allemands. Les publications de Freinet ruinent cette stratégie de communication. Pierre Pucheux doit obtenir son silence. Monsieur Freinet, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu à Vichy. Vous savez, Freinet, pour nous, vous êtes un élément parmi ceux qui nous empêchent de faire l'union de l'opinion. Hein, tout du moins qui nous gêne. Et comme vous le savez, le gouvernement mène une lutte de tous les instants contre les exigences allemandes. Et pour ce faire, il a besoin que l'opinion soit calme. Qu'aucune manifestation intempestive ne se produise. Voilà ce que je vous propose. Vous atténuez vos attaques contre le gouvernement. Moyennant quoi, je pourrais envisager la libération des prisonniers de la résistance. Qu'en pensez-vous, Freinet ? Laissez-moi un délai de réflexion. Freinet espère gagner du temps et permettre à ses hommes encore libres de se cacher. Mais il est tombé dans un piège. Plutôt que de l'arrêter, Pucheux préfère le compromettre. Le ministre fait fuiter des informations sur leur rencontre. Les autres mouvements sont persuadés que Freinet entretient des relations avec le gouvernement de Pétain et se désolidarise de combat. L'affaire remonte jusqu'à Londres. Nous craignons que Freinet, comme ses collaborateurs, travaille pour Vichy. Du coup, on s'interroge. Faut-il continuer à essayer de travailler avec combat ou, au contraire, abandonner complètement les contacts ? Freinet est victime de ses ambiguïtés vis-à-vis de Pétain. Mais la radicalisation de Vichy va le pousser, enfin, à clarifier ses positions.
La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef de gouvernement, il dirigera les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. Contrairement à ce que dit la propagande officielle, ce sont les Allemands qui ont imposé Pierre Laval. Pétain déteste cet ancien avocat qu'il avait chassé du gouvernement en 1940. Mais face aux exigences allemandes, il a capitulé, une nouvelle fois. La nomination de Laval fait basculer Freinet, définitivement. Il ne croit plus au double jeu de Pétain. Vous aviez le choix. Vous soumettre ou partir. Vous auriez dû partir. Et laisser à d'autres le soin de livrer notre patrie. Vous préférez rester. Non plus dans une demi-liberté, mais dans un complet esclavage. Pour patronner la trahison. Tout est clair maintenant. Le mythe Pétain a vécu. Vos étoiles s'éteignent. Fernand. Bon, tiré. Sa lettre à Pétain est publiée dans Combat en mai 1942 et permet à Freinet de convaincre les autres mouvements de son engagement total contre Vichy. Jean Moulin y voit une occasion de présenter la résistance sous un front uni. Pour la première fois, il demande à tous les mouvements de parler d'une seule voix. Un appel à manifester est lancé à l'occasion du 14 juillet 1942 dans toutes les publications résistantes. Le risque d'échec est grand. Il n'est pas si facile de faire descendre les Français dans la rue. Sans doute le général a-t-il appelé les Français à manifester, mais combien l'auront entendu? Si nous échouons, l'échec sera durement ressenti par nos militants, et claironné comme une victoire par Vichy. Au petit matin du 14 juillet, tous les mouvements de résistance retiennent leur souffle. Les Français répondent présents. 50 000 personnes manifestent à Lyon, 30 000 à Marseille, 20 000 à Paris. Londres et la résistance intérieure sont parvenues d'une seule voix à mobiliser les Français. Mais quelques jours plus tard, cette victoire symbolique va rapidement être effacée. Face à un événement tragique, les mouvements de résistance ne vont pas briller par leur lucidité. Trois jours plus tard, le 17 juillet 1942, 13 000 Juifs, dont un tiers d'enfants, sont arrêtés à Paris, parqués au vélodrome d'hiver, puis déportés vers Auschwitz. Les 79 convois de déportation vers les camps de la mort, depuis Marseille, Drancy, Pithiviers, seront à peine évoqués dans les publications résistantes. Les résistants ont hésité à se mobiliser sur le sort réservé aux Juifs. Ils disent vouloir se battre pour tous les Français, et pas uniquement pour une partie de la population. Il faut avoir en tête qu'en 1942, personne ne veut vraiment croire en l'existence d'une politique systématique d'extermination. Et puis les mouvements de résistance, c'est vrai, craignent de se heurter à une partie des Français qui restent antisémites. Trop silencieux sur le sort des Juifs, les mouvements de résistance se divisent aussi sur la question des communistes. Jusqu'où s'allier avec ses rivaux, dont les coups d'éclat font grand bruit. Le prix de la clandestinité devient trop lourd à porter pour Gilbert Renaud. Celui qui se fait dorénavant appeler colonel Rémy n'a pas vu sa famille depuis des mois. Et l'enfant qui l'attendait n'a pas survécu. «
C'est la deuxième fois que nous perdons l'un de nos petits. Comme Jean-Luc, Manuel est mort dans les bras d'Edith alors que je n'étais pas là. Isolé, traqué, l'agent français recherche une protection divine pour lui, sa famille et ses frères d'armes. Sa foi profonde inspire le nom de son réseau. La confrérie Notre-Dame, c'est cela. Après un an et demi de mission, Colonel Rémy est rappelé à Londres. Un retour dont les communistes comptent bien profiter. Rémy m'avait prévenu qu'il allait se rendre à Londres, alors. J'en profite pour lui confier un important paquet de livres sterling en grosse coupure. Ben, ces billets de banque sont dans un état effroyable. Ils avaient été enterrés dans une boîte non hermétique. C'est toute notre fortune que je lui confie, pour qu'il essaie à Londres d'obtenir le change à un taux favorable. Rémy veut profiter de son voyage à Londres pour forcer la France libre à reconnaître le ralliement des communistes. Mais comment vaincre les réticences de De Gaulle ? Tenez, pour le bureau de Passy. Comment allez-vous, cher ami ? Très bien. Quelles sont les nouvelles ? Tout est là ? Je vous en prie. Dans ses valises, Rémy apporte à la France libre beaucoup plus que le trésor des communistes. Des journaux. Des centaines de papiers interceptés à l'administration allemande. Des courriers, des laissez-passer, des faux papiers. Des cartes de toutes les régions de France et toutes les constructions allemandes qu'ils ont faites depuis le début de la guerre. Vous avez fait un travail remarquable. Je le dois surtout à mes agents. Rémy peut se targuer d'avoir recruté plus de 1500 agents en un an. Il ambitionne maintenant un rôle politique et met le colonel Passy devant le fait accompli. J'ai pris sur moi de conclure un accord avec le comité exécutif du Parti communiste. Un accord militaire et politique. D'un point de vue militaire, les communistes continuent leurs actions, pour lesquelles ils obtiennent d'excellents résultats. Et d'un point de vue politique, la question est résolue comme suit. Le général de Gaulle prendra dans son directoire un représentant communiste. Mais enfin, mais vous n'êtes pas autorisé à conclure un accord sans consultation préalable du gouvernement britannique et du général de Gaulle. Vous dépassez le cadre de votre mission, qu'est-ce qui vous a pris ? J'ai cru bien faire. Nous avons besoin des communistes. Enlevez-moi ça. En dépit de la colère de Passy, le culot de Rémy paie. La France libre accepte de changer l'argent des communistes et permet à son agent d'organiser une première livraison d'armes. À Paris, c'est Georges Beaufils qui se chargera de la récupérer. Le fabricant d'explosifs continue la lutte armée et politique sous couvert de son atelier d'électricité. Tiens, j'ai une aile. Au nom du parti, il va jusqu'à exposer sa femme et ses filles, Colette, 8 ans, et Jacqueline, 10 ans, qu'il charge de transporter des tracts dans les doublures de leurs vêtements. Il écrit quoi sur le papier ? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Hop. Chut. Le résistant sait à quel point l'opération est risquée. Madame, monsieur. Oh.
En ce printemps 1942, la répression s'intensifie encore. Le secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, signe un accord avec le général SS Carlo Berg. Les SS prennent en main la lutte contre la résistance et franchissent une nouvelle étape dans la brutalité. Selon une ordonnance du 10 juillet 1942, les familles des résistants arrêtés seront elles aussi lourdement condamnées. Leurs frères, leurs femmes, leurs enfants. Tous les enfants jusqu'à 17 ans seront remis à une maison d'éducation surveillée. Que devons-nous faire à cette heure où chaque jour nous risquons l'arrestation ? Dans cette hypothèse, les enfants seraient mis dans une maison d'éducation et nous serons fusillés. Alors. Bonjour. Alors, on les garde avec nous. Parce qu'en fait, il n'est pas possible de faire autrement. Alors, comment ça va? Ça va. C'est calme. Vous l'avez revu dans les parages? Non, je ne l'ai pas revu. Je vous dirai si je l'avais revu. Tu vois? Oui. Pardon. Il faut qu'aux yeux de nos voisins, de nos parents même, nous passions pour une famille avec une vie d'apparence normale. Ceux qui tombent entre les mains de Vichy ou des Allemands sont fusillés ou déportés. Leur seul espoir, l'évasion. Depuis près de 8 mois, Bertie Albrecht est internée à Val-les-Bains où elle a entamé une grève de la faim. Freinet a envoyé un commando pour la faire évader. Un gardien a été soudoyé. Cette longue détention l'a beaucoup éprouvée. Mais ses yeux bleu clair ont toujours la même intensité. Elle veut retrouver le plus tôt possible sa place dans nos rangs. Je lui dis que je veux qu'elle prenne le temps de se requinquer, mais la vraie raison de mon refus est ailleurs. Elle connaît la règle. Quiconque passe entre les mains de Vichy doit disparaître dans la nature et rompre tout contact avec les camarades, pour ne faire courir aucun danger au réseau. Bertie Albrecht a tout perdu. La possibilité de poursuivre son combat et son quotidien auprès de l'homme qu'elle aime. Freinet ne transigera pas. Il est déjà dans l'étape d'après. Prendre la tête de la résistance. Après des mois de tractations, les chefs de mouvement Henri Freinet, Emmanuel Dastier de Libération Sud et Jean-Pierre Lévy de Franc-Tireur semblent enfin prêts à s'entendre. Fin septembre, ils se retrouvent à Londres avec Jean Moulin. Merci, pour unir leurs forces au sein d'une armée secrète. Nous allons devoir aborder un sujet très important. Messieurs, si le débarquement se produit dans cette région, l'armée secrète devra utiliser les possibilités d'action pour paralyser la manœuvre allemande par une action générale, déclenchée après le débarquement. Un plan d'action est validé. Les résistants interviendront derrière les lignes ennemies
pour harceler les Allemands. Je pense que stratégiquement, il va se passer quelque chose ici. Reste un point d'achoppement. Qui placer à la tête de cette armée secrète? Comme nous sommes tous d'accord pour que l'AS soit strictement aux ordres de l'état-major allié et placé sous un commandement unique, il n'y aurait donc aucun inconvénient à ce que l'un d'entre nous en prenne la direction. J'ai une formation militaire, une solide expérience de la vie souterraine. Et je pense être le mieux placé pour assumer cette responsabilité. Je vous rappelle la consigne. Séparer radicalement les fonctions militaires des organisations résistantes. Si elles sont confondues au sommet, elles le seront à tous les autres niveaux. Donc, c'est non. Messieurs, ici, Saint-Côme, Saint-Aubin. Freinet perd cette manche. Moulin parvient à convaincre les chefs de la résistance de nommer à la tête de l'armée secrète un homme neutre, le général Delestrin, qui a eu sous ses ordres De Gaulle quand il n'était que simple colonel. Toute cette région-là sous couverte. Les grands mouvements s'unissent militairement derrière De Gaulle au moment où la guerre prend un nouveau tournant. Je vous retiens pas. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. De l'Algérie au Maroc, 100 000 soldats américains et britanniques affrontent les forces françaises restées loyales à Vichy. Les Alliés prennent le dessus et s'installent en Algérie. L'Algérie française offre une base légitime pour construire un nouveau pouvoir qui pourrait concurrencer celui de Vichy. La réponse d'Hitler est immédiate. Les Allemands envahissent la zone libre. Désormais, toute la France est occupée, de Lille à Marseille. Pour les résistants, il n'y a plus de lieu de repli. Tous sont maintenant à la merci de la police allemande et d'un gouvernement de plus en plus compromis. À nouveau, le chef du gouvernement cède à une exigence de l'occupant. En février 1943, Pierre Laval parade devant les caméras pour saluer 200 000 jeunes Français qui partent travailler dans les usines allemandes. Mais 50 000 jeunes vont refuser ce service du travail obligatoire, le STO, et bouleverser la résistance. Ils quittent leur famille pour se réfugier dans les montagnes des Alpes et du Jura. Dans l'Ain, un homme veut leur venir en aide. Henri Petit a 42 ans et l'expérience de la clandestinité. Deux ans plus tôt, sous le pseudonyme de Roman, ce publicitaire, officier diplômé de Saint-Cyr, a créé un réseau de résistance baptisé l'Espoir. En cette fin 1942, il quitte Saint-Étienne pour rejoindre ce que l'on commence à appeler le maquis. Nous allons former un comité qui aura pour but de recueillir les réfractaires au départ pour le travail en Allemagne. Pour éviter qu'ils ne se fassent arrêter, nous leur fournirons de fausses cartes d'identité, attestant qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux pour être astreints au service du travail obligatoire. Il établit un camp près de Montgriffon pour donner à une trentaine de jeunes une formation militaire. Il doit revoir ses priorités. Ses réfractaires ont débarqué sans rien, et l'hiver à cette altitude peut être rude. Face à la nécessité, le militaire de formation doit se transformer en braqueur. À proximité de nous, à Artemar, les chantiers de jeunesse de Vichy ont un grand dépôt d'intendance. Deux maquisards ont obtenu des complicités à l'intérieur même du groupement. La sirène a été bloquée, comme prévu.
Petit a donné un ordre. Aucun coup de feu ne doit être tiré. Après avoir chloroformé et bâillonné les gendarmes, les maquisards pillent les vêtements, chaussures et toutes les réserves de nourriture. Allez, les gars. C'est long. C'est trop long. Henri Petit a maintenant de quoi tenir l'hiver, mais pas encore d'armes pour affronter les Allemands. Il va se tourner vers les chefs de la résistance. Aucun de nous ne l'avions prévu, mais nous en sommes tous conscients. C'est une tâche nouvelle, d'une ampleur singulière qui s'impose à nous. Il faut aider ces jeunes gens à vivre et combattre. Ces bataillons de briques et de brocs inquiètent les Britanniques. Ces apprentis soldats pourraient se lancer dans des actions de guérilla prématurées, contraires aux plans alliés. Ils refusent de les armer. J'ai un message à dicter. Freinet s'oppose une nouvelle fois à Londres. Moyens financiers ridicules. Dans un télégramme du 4 mars 1943, il agite le drapeau rouge. Sans moyen d'action, réfractaire passera main communiste. Stop. Pas de réponse. Les gaullistes comme les Britanniques font la sourde oreille. Freinet en prend acte. Au printemps 1943, il va jouer des rivalités entre les alliés pour obtenir l'argent nécessaire au maquis. Dans le plus grand secret, il rencontre des agents américains à Berne, en Suisse. Ces derniers acceptent de verser l'équivalent de 11 millions de francs en échange d'un accès direct aux informations de la résistance. Un accord vécu comme une trahison par Jean Moulin. Freinet n'est pas libre de prendre contact avec les Américains sans me prévenir, de leur demander de l'argent, et Dieu sait à quelles conditions. C'est un coup de poignard dans le dos qu'il donne à De Gaulle. C'est faux. Moulin a voulu nous étrangler comme il a voulu étrangler les maquis qu'il appelle à l'aide. Il veut la direction de la résistance sans en avoir les moyens. Ni l'envergure. Lui, il est à Londres. Nous sommes ici. Nous nous battons. Moulin sent que le général De Gaulle risque d'être mis hors jeu. Il lui expose la situation sans embâge. J'écris immédiatement à De Gaulle que des sommes très importantes me soient versées rapidement pour que je puisse, en votre nom, allouer au mouvement des montants très rapprochés de ceux promis par les Américains. Le jour où l'on saura que c'est vous et non les alliés qui financent la lutte contre le STO, il est certain que la position du gaullisme en France sera renforcée d'autant. Renforcer la position de De Gaulle au sommet de la résistance, c'est l'obsession de Moulin. Pour y parvenir, l'émissaire de la France libre est prêt à prendre tous les risques. Le 27 mai 1943, il réunit tous les grands chefs de la résistance, à Paris, au 48 rue du Four, à 600 mètres à peine du Lutetia, le QG de l'Abwehr. Si la police allemande venait à les repérer, toute la résistance serait décapitée. Le risque est fou, l'enjeu immense. Il veut faire voter la création d'un Conseil national de la résistance, l'ébauche d'un parlement clandestin qui doit rassembler toutes les tendances politiques pour conforter la légitimité du général. Pascal, comment allez-vous ? Pour y parvenir, il a convié les ennemis d'hier pour en faire les alliés de demain. Qu'est-ce qu'ils font là ? Henri Freinet ne s'attendait pas à devoir composer avec des leaders syndicalistes, et pire encore, les représentants de 6 partis politiques de l'Ancien Régime. Pourquoi Moulin les place-t-il sur le même plan que la résistance ? Je ne mets pas en doute la valeur intellectuelle, le courage ou la ténacité de Jean Moulin. Mais sa tactique-là, c'est de noyer la résistance en faisant entrer au CNR les partis politiques. Va-t-on vraiment ressusciter les morts ?
et à la Libération reprendre ces vieux chevaux qui avaient déserté? Messieurs, s'il vous plaît. La seule chance, le seul atout pour De Gaulle, c'est l'appui massif de la résistance française. Seulement, comment prouver cet appui? Les mouvements de la résistance, personne à l'étranger ne sait qui vous êtes, ni combien d'hommes vous représentez. La presse clandestine, son tirage est inconnu. Une seule chose peut impressionner les alliés. Le ralliement à De Gaulle, de formations politiques connues de l'Ancien Régime et d'hommes politiques de la Troisième République, déjà connus à Washington comme à Londres. Mais ça ne signifie plus rien. C'est bien possible. Seulement, comment entendez-vous le démontrer aux Anglais et aux Américains? Comment, surtout, espérez-vous remplacer cette preuve des sentiments de la population française par une autre démonstration équivalente? Il a raison. Pas se passer des Américains, des Anglais. Je sais. On va pas les laisser revenir maintenant que tout est fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait le choix. Le Conseil national de la résistance intégrera les partis politiques de la Troisième République et sera voté à l'unanimité. 2 ans après sa première rencontre avec Freinet, Moulin a réussi son pari. La résistance est unifiée. Quand tout va s'écrouler. 13 jours plus tard, le 9 juin 1943, à Paris, le général Charles Delestrin, chef de l'armée secrète, est arrêté par les Allemands. Après plus de 50 heures d'interrogatoire ininterrompu, il est déporté et sera assassiné à Dachau. 12 jours plus tard, à Caluire, dans la banlieue lyonnaise, c'est au tour de Jean Moulin d'être capturé par la Gestapo. Après avoir été torturé par Klaus Barbie, le boucher de Lyon, il meurt dans le train qui le conduit en Allemagne, le 8 juillet. Bertie Albrecht a de nouveau été arrêté. Klaus Barbie veut la faire parler. Elle ne parlera jamais. Je plonge dans le souvenir. Nos vacances ensoleillées. Nos premiers pas ensemble. En quelques semaines, la résistance intérieure perd ses principaux chefs. Jean Moulin est mort, mais sa stratégie porte enfin ses fruits. Grâce à la création du Conseil national de la résistance, le général de Gaulle arrive en position de force à Alger. Il peut dorénavant parler au nom de la France, puisqu'il a le soutien des mouvements comme des partis politiques. De quoi s'imposer face à Giraud, le général docile que les Alliés ont placé à la tête de ce bout de France libérée. En quelques mois, De Gaulle parvient à l'écarter du pouvoir pour prendre seul la tête du Comité français de libération nationale, le gouvernement provisoire de la France libre. Il nomme plusieurs résistants ministres, une habile manœuvre qui lui permet à la fois de les récompenser et de les placer sous son contrôle. Freinet devient commissaire aux prisonniers déportés. Le fondateur de Combat est contraint de renoncer à ses ultimes velléités d'indépendance et se place sous l'autorité de De Gaulle, dont il dénonçait les choix 3 ans plus tôt. Quand il me propose cette fonction, je ne la sens pas. Son importance est évidente, mais je pense alors devoir rester en France. Je n'imagine pas m'établir à Alger. Mais pour lui, l'affaire est déjà entendue, avant même que nous ayons pu en discuter. Le général a sa diplomatie personnelle. La France n'est pas libérée, mais déjà l'épuration commence.
Pierre Puchu, l'ancien ministre de l'Intérieur écarté par Pétain, a tenté de rebondir en Algérie. Il est arrêté et jugé pour haute trahison. Sous la pression des communistes, dont il a décimé les rangs, Puchu est condamné à mort. Devant son peloton d'exécution, il donnera lui-même l'ordre de tirer. L'hiver est là, le quatrième depuis le début de la guerre. Les foyers français ont froid, car le charbon est toujours aussi rare. Les vêtements sont usés et difficilement remplaçables. Le bois, souvent, tient lieu de cuir à la semelle des souliers. L'alimentation est insuffisante et les Français ont une préoccupation dominante, subsister. Dans le maquis de l'Ain, Henri Petit a une autre préoccupation. Armer ses troupes. Il n'a reçu que 3 containers, des grenades et quelques mitraillettes. Il y a combien ? Il y en a 6. La méfiance des alliés vis-à-vis des maquis demeure. Les mois passent, les effectifs augmentent allègrement. Mais ceux que je sollicite, dangereusement, parfois, émettent des doutes sur la moralité des maquisards. Parce que la radio de Vichy les présente chaque jour comme des terroristes, commandés par des chefs de bande sans foi ni loi. Cette propagande a des effets même sur ceux qui nous sont favorables. Comment forcer la considération des alliés ? Comment leur prouver que ces hommes sont fiables ? Bonjour Henri. Comment allez-vous ? L'ancien publicitaire a une idée. C'est ce qu'il vous fallait. Il va organiser dans le plus grand secret un défilé à l'occasion du 11 novembre. Un défilé qui, cette fois-ci, sera immortalisé sur de la pellicule. Devant l'objectif, 250 hommes convergent vers les rues de Yona, une petite ville dont les Allemands sont absents. La mise en scène est soignée. Les recrues portent les tenues volées quelques semaines plus tôt. Quant aux armes, la plupart sont factices, de parfaites copies de bois. J'arrive en tenue de capitaine aviateur, décoration pendante. Il s'agit de démontrer que les chefs maquisards sont des officiers pour la plupart. Et lorsque je lance, d'une voix forte, « Maquis de l'Ain, à mon commandement !» à la stupéfaction profonde, succède un délire. Les hommes, les femmes, les enfants crient « Vive le maquis! Vive la France !» Je dépose une gerbe en forme de croix de Lorraine, avec la mention « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Après ce coup d'éclat, le maquis de l'Ain devient la cible des Allemands. Il multiplie les rafles dans la région. Le 5 janvier 1944, Henri Petit voit 250 soldats allemands fondre sur eux. Préviens les autres. Ils quittent leur QG espérant leur échapper. Ils sont encerclés. Notre riposte est immédiate. Les mitraillettes crachent. Nos grenades explosent dans les rangs ennemis.
Mais l'ennemi est supérieur en nombre et en matériel. D'instant en instant, la bataille s'aggrave. Nos munitions s'épuisent. Les pertes sont cruelles. 60 morts. Près de 300 maquisards et civils accusés de complicité sont arrêtés et déportés vers les camps de concentration. Jusqu'à la libération, les Allemands vont faire preuve d'une violence et d'une cruauté inouïe contre les maquis. Les massacres de Tulle, d'Oradour-sur-Glane, de Maillet et de Vassieux-en-Vercors auront tous le même objectif. Forcer les civils à se désolidariser des maquisards. L'offensive a été pour la population une épreuve sanglante. Et nous nous attendions à ce qu'elle nous en tienne rigueur. Mais au contraire, elle est plus que jamais à nos côtés. Elle nous soutient encore plus vigoureusement que par le passé. Notre combat est devenu le sien. Les résistants savent désormais que la victoire est acquise aux Alliés. Mais il faut encore tenir. Le Reich, menacé de toutes parts, applique sans état d'âme sa loi la plus barbare. Les arrestations se multiplient. Un télégramme pour vous. Merci. À Londres, le colonel Rémy apprend que son chef radio a livré aux Allemands tous les membres du réseau, les emplacements des émetteurs, les terrains d'atterrissage clandestins et les messages adressés à Londres. En 3 ans et demi, 524 membres de la confrérie Notre-Dame ont été arrêtés. Près de 200 ne survivront pas. Notre confrérie Notre-Dame apparaît détruite. Et les réseaux qui entretenaient avec elle d'étroites relations sont gravement menacés. Ou déjà éliminés. Compromis, Rémy est désormais écarté du terrain. Mais le bilan de ce producteur improvisé espion demeurera l'un des plus impressionnants de la guerre. En nous inspirant du réseau imaginé par Rémy, nous avons créé plus de 20 réseaux de renseignement couvrant une large fraction du territoire français. Et malgré les démantèlements, les arrestations, les renseignements transmis par les différents réseaux français fourniront 80% des informations sur lesquelles le débarquement en Normandie sera basé. En février 44, le ciel des résistants s'éclaircit, enfin. Les Alliés ont tranché. Les résistants seront mobilisés pour le débarquement. Les avions alliés larguent 90 tonnes de matériel. Le communiste Georges Beaufils, critiqué pour l'extrémisme de son mouvement, a intégré l'armée unifiée de la résistance. Il est chargé de coordonner les actions des FFI, les forces françaises de l'intérieur, avec les alliés, dans la région ouest. Tout changeait d'un coup. On évoquait clairement les missions de la résistance, non plus sous la forme de sabotage et d'attentats, mais dans le cadre supérieur de la stratégie de nos alliés. Eh ben, comme quoi tout arrive. Les problèmes militaires changeaient soudain d'échelle, débordaient du cadre des actions immédiates qu'on menait jusqu'alors. Sabotage, ravitaillement, communication. Londres lui a remis les plans détaillés des actions à mener. J'avais un peu le vertige. Le vertige de ceux qui ne croient pas encore tout à fait à la réalité. Le débarquement approche. Personne n'en doute.
nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin. Dans le sud de l'Angleterre, la flotte alliée se met en ordre de bataille. La plus grande armada de tous les temps, 6000 navires, s'apprête à faire route vers les côtes normandes. De l'autre côté de la Manche, à Caen, ce 5 juin, le soleil se couche sur l'insouciance du jour d'avant. Au théâtre de la ville, on joue Véronique, l'opérette d'André Messager. Dans la salle, des Français et des Allemands applaudissent de concert la fin du premier acte. Il est 21h15 quand le régisseur du théâtre se branche sur la BBC. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Ce message codé est le signal pour saboter les lignes électriques, le réseau ferré, les câbles de communication. Les résistants passent à l'action. À l'issue de ces 4 années de lutte clandestine et de rivalité, les formations de la résistance ont toutes rejoint De Gaulle. Ainsi, sans renoncer à leurs convictions politiques ou philosophiques, les adversaires d'hier se trouvent dans le même camp, sous le même drapeau, pour défendre la même patrie. Nous nous sommes fondus dans le creuset d'une guerre pas comme les autres. Pendant près de 4 ans, nous avons eu recours à un bluff monumental. Les Français ont cru que De Gaulle possédait une force considérable, tandis que nous tentions de persuader les Alliés que la résistance en constituait une autre. Et il le fallait, pour donner confiance aux premiers et tenter d'obtenir des seconds ce dont nous avions besoin. Tous, nous vivons dans une extrême fébrilité. Ces organisations que nous avons conçues, ces hommes que nous avons formés, nous n'en connaissons pas réellement la valeur. Seront-ils à la hauteur de nos espoirs? Pour les épauler, dans la nuit du 5 juin, les Alliés parachutent des commandos derrière les lignes allemandes. L'alerte est parvenue jusqu'au théâtre de Caen. Les soldats allemands ont quitté la salle précipitamment. La nuit sera courte. Demain sera le jour le plus long. La résistance connaîtra son heure de gloire avec le débarquement en Normandie et la libération de la capitale en août 1944. En 4 ans, ses effectifs seront passés de quelques milliers d'hommes et de femmes à près de 500 000 Français devenus résistants sur le tard. Au travers de ces combattants, le pays peut s'inventer un mythe.